Bonsoir, c'est Ragboy et on se retrouve ce soir avec la mise à jour de Star Wars Battlefront 2 Suprématie Capitale qui s'enorgueillit d'une nouvelle carte que je vais découvrir ce soir. C'est Kashyyyk, donc c'est pour ça que j'ai pris tout simplement les camos de Kashyyyk, en tout cas, enfin de Kashyyyk, je veux dire tout simplement des clones de, je sais qu'il y en a qui vont gueuler, 41e peloton de Rangers, voilà, qui est normalement donc un peloton qui a été déployé sur Kashyyyk, ou pas que, puisque je vois pas que ça soit mentionné, enfin bref, en tout cas, je sais qu'ils vont se confondre dans la masse et dans l'herbe des Wookiees. Donc je vais découvrir cette map là. C'est vrai que pour moi, la Suprématie Capitale, ils se sont un peu tiré la balle dans le pied au mois de mars avec sa sortie. Ils l'ont sorti immédiatement et dès le week-end, enfin ils l'ont sorti très bien, mais qu'une seule map, et tout de suite après, attendez, c'est pas mal, je profite quand même. Et boum, tout ça pour vous dire qu'en fait, ouais, dès le week-end, ils nous ont permis de faire du, du double XP ou triple XP, je ne sais plus. Et donc tout le monde a rushé les fameux renforcements qu'ils ont fait ajouter. Donc finalement, il n'y avait plus d'intérêt tout de suite, presque tout de suite, à y jouer puisque la progression du jeu avait été rapidement coupée. Progression des personnages, hein, mais évidemment, on retourne jouer dans ce jeu-là pour progresser avec un personnage, avec un renforcement, avec quelque chose comme ça. Et là, pour moi, avec le triple XP, en un week-end, on avait déjà toutes les cartes en violette, ce qui n'avait plus forcément d'intérêt. Donc, j'ai trouvé qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, là, c'est vraiment, vraiment très con. Bref, tout ça pour vous dire que Fallen Order, qui sortira à la fin de l'année, la bande-annonce m'a plu, mais j'ai pas été ça m'a pas remué dans la culotte, on peut dire ça comme ça, mais j'ai quand même apprécié qu'ils refassent un mode solo, purement solo, et franchement ça c'est bien. Après bon, faut voir ce que ça donne. Apparemment on aura le droit que au sabre laser, contrairement au Dark Force, hein. Rappelez-vous, en Dark Force il y avait Mais plus que ça, il y avait vraiment toutes les armes possibles, il y en avait une dizaine de mémoire. Et c'était vraiment super sympa et intéressant. Attendez, il y a du monde. Vous avez de la compagnie. Aïe. Bon, j'étais un peu tout seul aussi, hein, faut dire. Mais bon, tout ça pour dire que ouais, je pense que je le prendrai quand même, parce que ça fait plaisir d'avoir un truc en solo. Vous voyez, il y a l'arc trooper sur Kashyyyk, comme il y a aussi sur Geonosis. J'ai l'air de dire Genesis, mais pas du tout. Un sniper bien planqué. Donc cette fois-ci, c'est un peu sur le côté gauche, mais grosso modo, c'est la même carte en fait. C'est à peu près la même carte, ils ont dû rajouter un ou deux vaisseaux tombés. Là, je vois qu'il a changé de couleur le transport de troupes séparatistes, très bien. Mais dites-moi, c'est quand même la même carte en fait, avec juste des points de réapparition. Ah si, il y a des maisons ici que je crois qu'il n'y avait pas, qu'on ne pouvait pas y accéder. Peut-être qu'ils ont poussé les frontières. Bon, très bien, oui, des bateaux. Mais voilà, c'est pas un environnement totalement différent. C'est pour ça que j'aime pas quand on nous dit oui, il va y avoir des nouvelles cartes. C'est pas réellement des nouvelles cartes. Je suis désolé, on est sur les mêmes planètes. On va être dans les mêmes vaisseaux spatiaux une fois qu'on sera en l'air, hein, c'est presque sûr. Enfin, je m'avance peut-être, mais. Et puis là, au sol, bon, grosso modo, on est quand même sur quelque chose qu'on a déjà vu étorché longuement en assaut capital, en assaut galactique plutôt, je suis bête. Et donc bon, à déception. Ouais, c'est sûr, je suis dessus. Alors, on nous a annoncé aussi des tas de choses différentes, par exemple, Dark Maul et Yoda pourront parer les tirs laser. Waouh, il y a un char en face, on va éviter. Ah, putain, on a perdu A. On a perdu A, bon, on va y aller. La princesse Leia, nouveau skin. Hein, elle sera en princesse, comme on l'a connu dans l'épisode 4, hein, avec cette magnifique robe blanche. Attendez, j'ai entendu comme des mécanismes. J'ai encore 130 mètres, mais putain les mecs.
Ça c'est une IA ça. Mais je joue tout ça, y a des joueurs ou quoi? Ouais, y a des joueurs apparemment. J'affronte que des IA, j'ai l'impression. Eh, on dirait une IA de Arma, elle voit à travers les herbes. Non, j'exagère peut-être pas à travers les herbes, mais elle voit en tout cas dans quelque chose qui est très compliqué pour moi de voir dans les herbes. Aïe, j'ai mal. Ouais, il était assez près, j'ai pas fait gaffe. Bref, ils ont rajouté pas mal de choses. Ah, y a un point à l'intérieur, c'est intéressant ça. Bon, vers quel point aller? 176 mètres, 80 mètres. Capture en cours, déjà fait. Ah bon, bah, on va retourner sur D, ça fait loin, j'aurais dû prendre un jet trooper. Ah, je trouve que... Ah, ils ont dû changer ça. J'ai l'impression que mes deux armes se passent en rayon plus, mais surchauffent beaucoup. Putain. Il était là, lui. Ah, l'Arc Trooper a été nerfé, j'ai l'impression. J'ai comme une impression que l'Arc Trooper a été nerfé. C'était pas plus mal, parce que pour moi, je trouvais que son arme était vraiment trop OP. Alors, vers où on pourrait aller? Vers D? Par là. Merde, putain, ils ont attaqué avec la grenade. Alors. On les a maîtrisés, très bien. Allez, partons de là. Voilà, partons par là. Là aussi, je suis un peu déçu aussi, c'est tout simplement le fait que les... Pas les rebelles, mais les Républiques Galactiques n'a finalement pas de tank réellement, comme alors qu'eux, ils en ont. Ils en ont les séparatistes. Sachant qu'on a des marcheurs, hein, quand même. On a des marcheurs chez... Oula. On a des marcheurs, on a des... Tout simplement, oui, des marcheurs. Je ne sais plus les noms, je crois que c'était RTTT, oui, tout simplement. Et c'est dommage de ne pas les voir en action ici, c'est... Ça manque au champ de bataille. Enfin bref. Je vous fais part de mes regrets. Allez, on devrait... Ce qui marche bien contre les snipers, quand on est jet trooper, c'est la roquette. Lance-roquette. Ils voient pas vraiment la roquette venir et ils pensent qu'ils sont invulnérables. Bon bah écoutez, c'est pas mal du tout, c'est quand même beau. Enfin c'est pas mal. C'est un peu décevant de jouer la même carte. C'est quoi ça? Ah oui d'accord, c'est vraiment l'intérieur. On peut y aller? Je sais pas si on peut y aller. Non, c'est fermé. C'est clôturé. Est-ce qu'il n'y aurait pas notre ami le sniper là-bas? Ça tente de lui rendre une petite visite. Ah bah j'ai dû le louper. Les clones sont pas des lâches. Oh, on n'est pas des lâches, mon capitaine. Ah. Poste de 10 points de dégâts, c'est tout ce que j'ai fait. Regardez qui voilà. On a un allié sur place. La République a sécurisé un poste de commandement. C'est vrai, j'ai l'impression de jouer contre que des bots, à peu de choses près. Ça fait bizarre. Bon. Allez, je vais vous montrer au moins si les vaisseaux sont les mêmes, j'en suis pratiquement sûr, mais... Et puis, je vous embêterai pas plus avec ce type de vidéo-là. Ouais, ça fait que des bots que je descends, là. Ils sont où, les joueurs? Vous avez capturé
récupérer tous les postes de commandement dont vous aviez besoin. J'ai envoyé alors, un transport pour récupérer. Vous tombez les transports. C'est votre seule chance d'abattre ce vaisseau. Oh bon, j'en ai un juste derrière moi, parfait. Allons-y. Ouais, donc dans le ciel, ils ont mis quand même, on peut pas le voir là, mais ils ont mis les vaisseaux qu'on va aller attaquer. Donc très bien. Très bien, très bien, on va voir ce que ça donne. Mais je suis pratiquement sûr que l'intérieur sera pareil. Vous allez me dire en commentaire, évidemment. En tout cas, la carte s'est un peu élargie et je pense qu'elle méritait même de base à avoir plus de petites maisons à droite à gauche, même si normalement pour moi, un Wookiee ne touche presque jamais le sol. Là, bizarrement, il y a des maisons au sol, mais bon, bref, c'est comme ça. Mais je pense que ça méritait d'avoir plus de maisons sur le côté droit de la map quand on est séparatiste et côté gauche quand on est clone, parce que ça permet d'autres tactiques, ou tout simplement d'y passer un peu plus de temps, parce que quand on joue en... on est bloqué. Pourquoi y'a personne qui embarque là? Ah bon. Ça, en assaut aux galactiques, c'est vrai qu'on était toujours sur le côté gauche quand on était séparatistes. On attaquait par les maisons, c'est là où on avait plus de couvert. L'autre c'était totalement à découvert. Voilà, bon, donc bon, bref. Voilà, voilà. Donc apparemment chaque mois va sortir une carte. La prochaine, donc ce sera peut-être Naboo. Qui sait, peut-être, je crois qu'il y en a encore. Une autre, ça pourrait être Kamino aussi, après tout. Mais bon, si c'est des ressuscités de cartes, j'avoue que je suis un peu déçu si c'est ça. Après, bah, l'avenir nous le dira. Bon, en tout cas, effectivement, on est en terrain connu, si ce n'est que l'extérieur. Ah oui, l'extérieur. Bon, je peux pas zoomer, mais l'extérieur étant lumineux, avec peut-être un skin Kashyyyk. Donc, on est en terrain connu. Bah, je touche plus du tout avec ça. Voilà, mais je touche plus du tout là. Oh, putain, il y a une énorme de dos. Bon. Bah, j'ai voulu m'en rendre, mais t'as pas voulu, toi. Bon, bah voilà, écoutez, je peux pas vous donner tous les détails, hein, des mises à jour, mais en tout cas, il y a eu pas mal de choses. Yoda, Dark Maul qui peuvent effectivement parer les attaques. Donc, ça, je laisse ça à mon fils, parce que c'est le spécialiste de tout ce qui est. Comment dire, affrontement héroïque. Je fais plus du tout de dégâts. Il n'y a plus de version jaune non plus pour surcharger ces. Oh putain, ça se charge à une vitesse. Et je peux même pas avancer. Bref, voilà. Voilà, voilà, le Kashyyyk sur tout simplement la suprématie capitale. Bon allez, on se retrouve très très bientôt avec peut-être. Allez, ça vise moins bien aussi. Oh mais merde, on se retrouve très vite, hein. Bon sang, j'ai le bordel, je vais me concentrer sur cette partie, ça commence à me saouler, je suis mal placé là. Allez, ciao ciao.